L'artiste nigérien Okpokolo Osa donne un nouveau visage à Lagos avec ses graffitis. Ses œuvres ornent les murs et les façades de certains bâtiments et attirent les regards des passants. Au Nigeria comme ailleurs, les graffitis sont un sujet de controverse. Certains continuent à y voir le symbole d'une jeunesse indisciplinée. Une perception globalement négative que l'artiste, plus connu comme Osa Seven, compte faire évoluer grâce à son travail. L'idée était de créer un ouvrage en graffiti qui décrive basiquement Lagos. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris des éléments qui représentent Lagos ou des monuments clés de la ville, les trois Orisa Metas. Toujours pour populariser cette expression artistique, Osa a mis sur pied une initiative baptisée Kuma Nation afin d'aider les artistes du Nigeria à promouvoir leur travail. Je suis un fer de lance, le mouvement est en train d'arriver. Il y a un ensemble de plusieurs personnes qui me suivent et qui sont inspirées et qui auront un impact. Je crois que je peux faire la différence où je suis et c'est une autre opportunité de faire cela. Le travail d'Osa attire l'attention et suscite déjà le débat sur les valeurs de l'art de rue. Ça dépend du type de graffiti que la personne a mis sur mon mur. Si je peux m'identifier au graffiti, c'est ok. Mais si c'est quelque chose de pas du tout cool, alors c'est sûr que j'aurai mal à partir avec la personne et je lui demanderai de repeindre le mur. Osa travaille à encourager des jeunes gens à rejoindre son mouvement et à explorer le talent dans l'univers du graffiti. Son principal défi reste pourtant logistique. Il a du mal à se procurer les peintures nécessaires, mais aussi des murs prêts à accueillir son inspiration.